Infusion, we are here interviewing a football legend in this beautiful town in South France. And we have, your name is? Henri Zambelli. Oh, could you tell me about, well, this guy is amazing. I was searching about him today and I found out that he played with one of the legends that I love, which is Platini. Wow. So I want him to tell me more about the experience of playing and be a top player at that time. Ok, alors en fait, Rebecca a fait des recherches. Elle a vu que vous aviez joué avec Platini et que c'était votre carrière. Et donc, elle voudrait en savoir un peu plus de votre carrière de professionnel. Oui, tout à fait. D'abord, j'ai débuté à Nice parce que je suis resté une dizaine d'années. J'ai débuté avec des grands joueurs comme Katalinski, Jean-Marc Guillou, Jean-Noël Luc, Adams. Il y avait beaucoup d'internationaux. J'ai eu la chance de faire les Jeux avec Michel Platini à Montréal et d'être présélectionné à la mi-tournée 77 au Brésil-Argentine. Mr. Zambelli, in fact, played with a lot of famous footballers early in the 70s, and he was first during a few years, or 10 years, he was in Nice. He was playing in a professional team in Nice. Then after he joined the French team, just I have a question, I misunderstood something. Vous avez fait, c'était les JO que vous avez dit, c'est ça? À Montréal, et après, en 76, Montréal. Et après, donc, je l'ai côtoyé en sélection en équipe de France parce que j'ai eu quelques présélections et j'ai fait une mini-tournée en 77. Okay, so in fact, Mr. Zambelli was a part of the Olympics in Montreal in 1976, and then after he got chosen to be in a French team. Fantastic. Yes. Okay, and how many years you used to play for France? Combien d'années avez-vous joué pour la France? Moi, en club, à 16 ans, j'ai joué. 16 years in club, and maybe you want to know in national. That was your question? Yes. Et en national? En équipe nationale, j'ai été que remplaçant 6-7 fois, parce qu'il y avait des grands joueurs, comme Marius Trésor. J'ai été capitaine de la sélection B pendant quelques années. Donc voilà, mais bon, j'ai côtoyé l'équipe de France un petit peu. Ok, so in fact he was replacing, but like he was in a team with Marius Trésor and those guys, very, very important guys, and he was even the captain of the team. So that was quite a job. Wow, what an achievement. Well, thank you so much for talking to us. I'm so excited. And that was our interview.